Ah, pourquoi mon copain est si normal? C'est vraiment pas un super-héros. Mais imagine juste un instant si ton petit ami était une star de cinéma. Je me demande pourquoi les filles veulent toujours parler avant d'aller se coucher. Elles veulent discuter de tout. Les gars, en général, ils ont d'autres plans. Il a juste envie de s'endormir. Tout ce monologue sans fin, c'est comme un bruit de fond pour lui. Elle est vraiment mécontente. Apparemment, une bonne nuit de sommeil, c'est son seul pouvoir. Mais s'il y avait un vrai super-héros dans les parages, la vie serait bien plus amusante. Spider-Man, par exemple. Il serait assis dans un fauteuil confortable et ferait des trucs utiles avec ses toiles d'araignée, couverture, foulard et écharpe. Et même une sorte de ciel de lit un peu particulier. Ah, ce serait un cauchemar pour une arachnophobe. Bien que... Sans mission à accomplir, Spider-Man deviendra une sorte de grand-mère ennuyeuse. Il tricote tout le temps quelque chose. On a 200 écharpes dans le placard. Combien tu veux en faire de plus encore? Mais si tu veux pas le vexer, va falloir accepter ses cadeaux. Et c'est pas très drôle de se balader avec. Ces démonstrations de figures acrobatiques sont fatigantes. Il veut aussi tout le temps t'embrasser la tête en bas. Les autres façons ne lui conviennent pas vraiment. Il est à deux doigts de se briser le cou. Désolé, Peter, on n'est pas fait pour être ensemble. J'ai plus trop envie de vivre avec Spider-Man. Et d'où sortent toutes ces ficelles, d'ailleurs? Et si on passait du côté obscur? Je veux dire, si j'étais aussi confiante et dingue que Harley Quinn? Et mon chéri serait le Joker brutal et sanguinaire? On peut dire que c'est un couple heureux, non? Quel sacré couple! Une batte à la place d'un rouleau à pâtisserie? Et des pistolets cachés dans les placards de cuisine. Beaucoup d'armes à feu. Et la chose qui les rapproche le plus, c'est le fait de détester Batman. Les super méchants ont plein de secrets culinaires. On ne s'ennuie jamais dans cette relation. Sauf que tu vas devoir vivre en restant sur tes gardes. Tu sais pas à quel point le Joker est bizarre. Déjà, il essaie de méditer allongé sur le sol pendant des heures. Et pourquoi il a mis des chaussettes autour de lui? Il agit comme un vrai psychopathe. Tu veux que je te tire dessus? Commence par mettre toutes tes chaussettes dans le panier. Ce gars est le plus grand mystère de l'humanité. Regarde-le jouer à la guerre dans le salon. Pfiou, c'est explosif! Quand il voit une figurine Batman, le super méchant devient complètement dingue. Oh non, on n'a pas besoin du Joker. Quoi qu'il en soit, ce couple n'existe que dans les films. Vous pourriez vous entretuer si vous viviez comme ça. Et s'il était Jack Sparrow? Ah, désolé, Capitaine Jack Sparrow. Le pirate légendaire des sept mers, il est tellement charmant. Drôle et courageux. C'est de bonne qualité chez un mec. Mais je crois que lui aussi a soif de bagarre. Bébé, quitte cette pièce. Je vais prendre le contrôle de la salle de bain. Non, pas pour me laver le visage, mais pour faire un grand voyage à travers les mers. Sa recherche sans fin du Black Pearl pourrait rendre fou n'importe qui. Oh non! Je crois que ma salle de bain se transforme en un paradis pour les âmes perdues des pirates. Tout l'équipage est à bord. C'est exactement tout ce que tu veux pas voir. Les copains de Sparrow. Tu vas devoir abandonner la salle de bain. Ils sont dégueux. Tout ce dont ils se soucient, c'est du yo-ho-ho et d'une bouteille de rhum. Mais Jack ne fait pas que squatter la salle de bain. Il se passe quoi quand il décide soudainement de partir à la recherche d'un trésor? En plein dans la maison? Et il le trouvera. Je veux dire, il a une boussole magique. Tôt ou tard, elle conduira le pirate à sa destination. Tu vois ce que je veux dire?
du rhum, la liberté et l'aventure. Le pauvre Sparrow pourrait même finir alcoolique. De l'alcool à 10h du mat? Donne-moi cette bouteille! C'est donc là que le rhum était? Marche sur la planche! Ah, je vous ai que rêvé! La recherche du petit ami parfait continue. Et si c'était le gars le plus fou et le plus impressionnant de tous? Quelqu'un qui assure tout le temps. Quelqu'un qui a pas peur du ridicule. Imagine une fête style Coco Bongo. Tous tes potes sont là. Tu portes une nouvelle robe scintillante. T'es juste superbe. Et je crois que ce gars t'apprécie vraiment. Vraiment beaucoup même. Tu danses et tu t'amuses. Et c'est là qu'il entre en jeu. The Mask! Même les danseurs les plus expérimentés seraient jaloux de sa souplesse. Toutes les filles seraient jalouses. Garde le rythme, bébé! Le masque te fera virevolter dans la vie. Il te fera tourner jusqu'à temps que t'aies la nausée. C'est pas une super idée. En tout cas, je crois que The Mask en fait un peu trop. Non, c'est pas le bon partenaire pour moi. Des maracas? Ça sort d'où ce truc? Vaut mieux choisir un gars plus sérieux. Peut-être même un peu effrayant? Le comte Dracula? Ok. C'est sûr que lui restera éveillé la nuit pour écouter tes monologues du soir. Mais vos horaires de sommeil différents ne vous permettront pas de construire une relation solide. Discuter avant de se coucher, c'est une chose. Mais passer des nuits blanches, c'en est une autre. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu te réveilles. Il est tellement enquiquinant. Il ne comprend pas que les gens normaux dorment la nuit. Il va danser et chanter. Marchera sur les mains. Juste pour pas qu'il s'ennuie. Et il fera ça jusqu'au petit matin. Et dès l'aube, il retournera se coucher pour aller dormir. Je m'habituerai jamais à son lit bizarre. Le vampire s'endort, sa petite amie se réveille. Non, tu peux pas vivre avec Dracula. Tu auras tout le temps mal à la tête à force de pas dormir. Waouh, c'est vraiment toi? Encore éveillé dans la nuit? Et il m'offre des cadeaux si effrayants. Un magnifique cercueil pour ma Valentine sanguinolente. J'ai pas envie de dormir dans un cercueil. Même pour faire plaisir à mon petit ami. Un selfie de vampire. Non, cette idée n'a pas marché non plus. Ah, me mords pas le bras. Parfois les rêves sont si étranges. On commence à être à court de candidats. Quel personnage de film ferait un petit ami parfait? Et si c'était le plus fort, le plus courageux de tous? Jean-Claude Van Damme? Ouais, pas mal celui-là. Waouh, quelle force! Il est courageux, viril et sage. Tu te sentiras vraiment en sécurité avec lui. Mais comment le présenter à tes potes? Je veux dire, il va faire une prise de kung fu sur chacun d'eux. Ouh, sacré coup de pied! Après tout, Van Damme, c'est pas un mec si calme. Pour lui, toute personne est potentiellement un ennemi. Et il fait son fameux grand écart partout. Oh, c'est épuisant! Tu peux pas juste t'asseoir normalement? Bien que c'est un super danseur. Mais il finit quand même par se battre. Double impact! Et tu dois toujours l'éloigner de ses belles copines. Ça a pas l'air très amusant. Oublie Van Damme. J'ai pas besoin de lui. Hé, hey, pourquoi tu prends toute la place? J'aimerais pouvoir m'étirer comme ça. Ok, je sais, j'ai décidé. Je veux le plus beau des acteurs. Brad Pitt. Mister et Mrs. Smith forment un très beau couple, n'est-ce pas? L'étincelle entre eux ne s'éteint jamais. Une dispute peut se déclencher à partir de rien. Même pour leur tasse préférée. C'est totalement inoffensif. Mais ils sont prêts à attraper leurs armes. Discuter de leurs problèmes? Pff,
Jamais entendu parler? C'est la guerre! Mieux vaut ne pas faire ça à la maison. Des barricades, des coups de feu? C'est l'avis de famille de Monsieur et Madame Smith. Il doit être plus prudent avec les meubles. Quelqu'un devra lui dire que c'est pas bien de battre les filles. Mais c'est un tueur professionnel, il s'en fout. Mais elle n'abandonne pas. Elle va se venger à coup sûr. La seule bonne chose à propos de tout ça, c'est leur façon de se réconcilier. Cette relation est bizarre. Ça fait beaucoup de tirs et de bagarres. Je préfère la romance et la tranquillité d'esprit quand on est en couple. Peut-être qu'on n'a pas besoin de super-héros. Le voici, le vrai héros. Tu as aimé nos petits copains super-héros? Et qui est ton personnage de film préféré? Dis-nous tout dans tes commentaires. Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et partage le lien avec tes potes. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.